Quand on voit ces centaines de kilomètres de routes bitumées, la première question qu'on se pose, c'est si c'est réellement la Guinée. Eh bien, laissez-moi vous dire que nous sommes en Guinée, précisément sur la nationale d'Abola-Kouroussa, et que c'est une route qui vient d'être aménagée il n'y a pas très longtemps. Peu importe le régime qui l'a fait, que ce soit celui du professeur Alpha Condé ou bien celui du colonel Mamadi Doumbouya, ce qui reste clair, c'est que ça va alléger la souffrance de la population guinéenne et puis des usagers de cette route. Je n'arrête pas de le dire sur cette chaîne à chaque fois que je fais des vidéos. S'il y a quelque chose qui change positivement dans notre pays, il faut qu'on en parle. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager, puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Eh bien, comme vous le voyez, nous sommes ici sur la route nationale d'Abola-Kouroussa. Et mon constat est réellement positif, parce que quand on voit les routes, on sent réellement qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et comme je le disais, pourquoi pas si dans les mois à venir, que les autres routes aussi de l'intérieur du pays soient aussi aménagées comme ça. Nous le savons très bien que à Conakry, actuellement, ils sont en train d'aménager aussi beaucoup des voiries publiques. Tout ce qu'on doit dire, c'est que voilà, le résultat est remarquable et ça va permettre surtout à la circulation des biens et des Guinéens d'une manière fluide, et que on le sait très bien que l'économie guinéenne dépend le plus souvent des préfectures de l'intérieur. Une fois de plus encore, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager, puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Des centaines de kilomètres de routes bitumées, et comme je le disais, la première impression ou bien la question que les gens vont se poser en regardant ces images, c'est de savoir si c'est réellement la Guinée. Comme je le disais, nous sommes ici précisément sur la nationale d'Abola-Kouroussa, une route qui est aménagée il n'y a pas très longtemps. Et comme je le disais, à chaque fois qu'il y a des bonnes choses ou bien des choses qui changent positivement dans notre pays, il faut qu'on en parle. Raison pour laquelle on va essayer de parler de cette vidéo aujourd'hui. Et quand on voit surtout tout ce qui est là, on se dit que l'État a les moyens de sa politique. On se dit que l'État, s'ils ont réellement la volonté de faire changer les choses en République de Guinée, ils peuvent le faire changer réellement. Et la question que je pose à chaque fois que je fais des vidéos, et je vais la poser encore aujourd'hui, pourquoi est-ce que la Guinée, depuis maintenant près de 63 à 64 ans qu'on a notre indépendance, pourquoi est-ce que jusqu'à présent on n'a pas eu des avancées dans des travaux publics comme ce que nous sommes en train de constater dans ces deux dernières années? Quand on voit ici réellement, on se dit que voilà, la réhabilitation de ces routes-là va surtout alléger la souffrance des usagers de cette route et surtout même des Guinéens en général. Et de l'autre côté, ce qu'on doit dire, c'est que voilà, quand on voit ces routes, on doit se poser la question si les gens vont l'entretenir très bien. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des infrastructures, mais aussi de l'entretien qui va avec. De ne pas verser surtout les huiles de moteur sur les chaussées, ou bien de ne pas surtout brûler les pneus sur les goudrons, parce que ça va pousser à la dégradation rapide de ces routes. Et ce que j'ai trouvé encore plus positif, c'est quand je vois tout au long de ces routes-là des panneaux de signalisation qui nous signalent à un certain endroit qu'on doit circuler à 50 km par heure, à un autre endroit qui nous signale ici que voilà, c'est le passage piéton. Un peu plus, on voit aussi que des panneaux de signalisation qui nous signalent que nous sommes en train de rentrer dans une ville ou bien dans un village. Tout ce qu'il faut dire ou bien la question que j'aimerais poser encore une fois, c'est de savoir si les gens ont réellement appris les panneaux de signalisation. Il ne s'agit pas seulement d'allumer la voiture, de faire un départ et de venir la garer pour dire que je connais conduire une voiture. Il faut surtout voir tout ce qui va avec, surtout les codes de route et les panneaux de signalisation. On a pris l'habitude de dire à chaque fois que les routes guinéennes ne sont pas bonnes, raison pour laquelle à chaque fois que nous assistons à des accidents mortels. Je suis d'accord, je n'en disconviens pas. Mais ce qu'il faut dire aussi, de part et d'autre, c'est que le plus souvent,
Il y a de ces accidents qui sont causés aussi par ces conducteurs ou bien par les usagers de route. Je veux dire ici, à un endroit, il va falloir qu'on respecte surtout les codes de route. Tous ces panneaux de signalisation qui sont là au bord des routes ne sont pas là seulement pour orner cette route. Ils sont faits aussi pour être respectés, pour savoir que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle localité ou bien qui nous informe que là où nous partons, il est mieux ou bien il est préférable de circuler à 50 km/h. Beaucoup de ces choses, quand on respecte, je pense que beaucoup d'accidents vont être réellement évités en République de Guinée. Sur ce, mes frères, si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, je vous dis merci à tous et surtout, n'oubliez pas de commenter parce que je vais prendre le temps de tous les lire et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères. À plus.